Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour blablater un petit peu. En fait, j'ai reçu des nouvelles plantes, des Hoya. Et j'en ai. Donc, je les ai reçues aujourd'hui, hein. Le colis est là. Ça a mis plus de temps que prévu. En fait, j'en ai reçu une autre hier que je voulais ouvrir avec vous. Mais celui-là a pris du retard et, parce qu'il y a eu une erreur au centre de distribution. Je vous laisse le soin d'imaginer qui est le transporteur. Et du coup, bah, on va l'ouvrir ensemble aujourd'hui parce qu'il est arrivé aujourd'hui. Donc j'espère que les plantes vont bien, auquel cas ça ne sera pas du tout de la faute de la vendeuse parce que j'ai déjà commandé chez elle. Elle a derrière des pépites. Je lui demanderai aussi et je vous mettrai auquel cas, si elle est d'accord, le lien vers son profil Le Bon Coin ou vers l'une de ses annonces pour que vous puissiez vous aussi en profiter. Elle a quand même des pépitas. Je vais regarder. Non mais dans le genre scotché c'est bien scotché. Quand il n'y a plus de scotch, il y en a encore. Ça va faire un scotch. Ah cool. Donc elle met plein de rembourrage comme ça pour pas que les plantes. Quoi ? Moi oh, je crois que j'ai des cadeaux. Quoi ? Mais attends, mais. C'est quoi ce délire? Mais attends, mais. Alors, je vous l'ai dit, j'en ai commandé trois. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, la pépite, elle est là, elle est pour la fin. On va ouvrir. Bon, on va ouvrir celle qui n'est pas en pot parce qu'il va falloir que je la rempote. Je vais peut-être pas savoir les reconnaître. Mais c'est fou quand même. C'est trop gentil. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors je pense que c'est des cuttings. Je vais regarder s'il y a des racines du coup. Ah oui oui si si il y a des racines. Écoutez, voilà, j'ai eu une, deux, trois, quatre branches. Je vais regarder les autres parce que ça ressemble énormément à l'une que j'ai commandée. Je suis trop contente, c'est trop bien. Incroyable, incroyable. Ouais, c'est ça. Elle m'a remis des. Je comprends plus. Va falloir que je regarde sur l'annonce parce que moi j'ai une tige sèche. J'ai elle. Ça se voit que je suis perturbée ou pas? Mais non!
Oh là, elle est magnifique celle-ci. Oh là là, regardez-moi ça. Vous avez vu tout ce splash? Je regarderai l'annonce après avoir tourné la vidéo et je vous le remettrai en dessous des plantes hein, où je demanderai auquel cas à la vendeuse. Qui est qui, je... On dirait une Carnosa, celle-ci. Non, ça doit être la Stardust, celle-là. Je vous explique. Normalement, j'aurais dû avoir... Parce que là, j'en ai plus que ce que je n'en ai demandé. Hein, j'aurais dû avoir... deux feuilles de... Enfin, une bouture de deux feuilles de Hoya Stardust. Là, j'en ai quatre. La taille de la feuille, on n'en parle pas. Voilà. Un pied de Hoya Sunrise. Et on dirait bien que c'est ça. Donc il y avait trois branches, je crois. Mais du coup, j'ai exactement la même chose de cutting non racinée. Nanana. Voilà. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et les pépites. Alors celle-là, je la voulais depuis tellement longtemps. Elle est encore chère. Elle est encore chère. Mais là, franchement, j'ai pas réfléchi longtemps, quoi. Je lui demanderai aussi à la vendeuse si elle a un compte Instagram. Ça serait bien. Oh, bienvenue, t'es trop belle. Oh, t'es beaucoup trop mignonne. Pardon. Une petite bouture de Hoya Compacta Mauna Loa. Je vous mettrai une photo de plus près parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la beauté. C'est un peu flou. Le focus, il manque ici le focus. Oh là là, oh, t'es trop belle. Oh, puis il y a le petit départ qui arrive là. Trop bien, trop bien. Ah, je suis... Voilà, j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir reçue hier. Et bien, pour tout vous dire, je suis agréablement surprise. Donc, de la même personne, en début du mois, j'ai reçu une autre plante que je recherchais depuis longtemps et elle l'avait. Sur son profil, il y a du Florida Beauty, il y a beaucoup de plantes. Le Hoya Nicholsoniae New Guinea Ghost. Je l'ai eu à 20 euros. Mais avec toutes ces feuilles-là. Et elle a. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4 départs. 5 même, normalement, je crois. Peut-être 5. J'ai un petit doute. Et franchement... Regardez le système racinaire incroyable qu'elle a. Je l'ai rempoté, mais alors, j'ai juste mis dans un pot un peu plus profond parce qu'elle séchait très vite. Et enfin, les feuilles se déshydrataient très vite. Donc, je l'ai laissé dans son substrat pour pas la choquer. Et j'ai remis du substrat de chez Cibotanica dans le fond pour compléter. Et effectivement, je l'ai arrosé et elle va bien. Donc, toutes celles que vous venez de voir, c'est de la même personne. En allant chercher le collier, je passe devant un petit fleuriste et il y avait cette magnifique petite kikinette que je vais voir avec vous. Donc, c'est pas une plante pour l'intérieur, c'est pour mettre au jardin. Et elle était à 2 euros.
parce que à mon avis il y a des fleurs qui avaient fané et mais c'est dommage ça, petite kikinette. L'année prochaine elle ira bien hein. Enfin j'espère, en tout cas je vais essayer. Je sais pas. Il y a peut-être parce qu'il y a des feuilles abîmées et tout ça. De toute façon, elle va aller dehors. Et la dernière. Oh, ça lui rend pas justice. Le philodendron Truby Moonlight. Non, mais philodendron est ta sœur. C'est le Syndapsus Truby Moonlight. Je l'ai attendu depuis tellement longtemps. Je l'ai acheté sur le profil de... Donc je vous mets son Instagram. Elle vend sur le bon coin. La jungle de Ao. Je vous remettrai son Insta. Elle m'a envoyé ça. Elle m'a rajouté des petites graines de fleurs sauvages dedans. C'était super bien emballé. Par contre, encore une fois, les livreurs ne font pas attention. Du coup, il y avait un petit peu de substrat dans le colis. Mais je lui en veux pas du tout. Je sais que c'est pas de sa faute. C'est Malvina qui me l'a recommandé. Elle le vendait pas cher du tout. En plus, il était à 8 euros. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, j'ai une sixième feuille en cours. Bon, à mon avis, elle va pas être très très jolie parce qu'elle a été trimballée. Il a pas été cassé. Donc du coup, je l'ai rempoté, etc. Mais je suis très contente de l'avoir. Donc... Mais du coup, je suis... Celle-là, mais... Non, mais comment c'est possible d'être aussi belle, quoi? Non, mais les différences de verre... Oh là là, c'est dommage que vous vous rendiez pas compte, quoi. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai tellement hâte qu'elle pousse. J'ai bien envie de mettre toutes les compactas ensemble. Pas dans le même pot, hein, mais sur le même étage. Ça serait bien, non? Proche de la lumière. Toi, j'ai pas trop envie que tu sois trop proche de la lumière parce que... Mais pas trop loin non plus. Je vais te mettre ici. Parce qu'elle elle fait un sun stress, mais les feuilles, en fait, elles prennent des coups de soleil jaune. Par contre, il est où? Non, il est pas là. Il est là. J'ai un bouton floral, les gars. Un pédoncule. Je vais te mettre ici. Proche de la lumière, mais pas trop proche. Ma Fuanensis aussi, elle jaunit. J'ai l'impression qu'elle aime pas trop la lumière. Les feuilles vont bien, je vais la mettre ici, là. Elle aura de la lumière, je vais pas la choquer. Toi, je te mets ici, avec tes copines. Et du coup, ma compacte, elle est là, classique. Compacta classique. Là, bah non, du coup, je vais la mettre là. Mettre devant. Je vais juste la voir quand même. Compacta classique. Proche de la lumière. À côté de la variegata. Et là, on a. Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle! Et on va te laisser arriver à la maison. Hein? Comme ça. Voilà. Toi, je te remets à ta place. Et ta place, elle est... Ici. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la caméra. Je vais déjà remercier la personne qui m'a fait le colis. Et puis, bah, je vais lui demander c'est quoi, du coup. A tout de suite. J'ai envoyé un message. Elle doit être occupée, elle me répondra plus tard. Du coup, je pense qu'il y a un Oya Carnosa. Le Oya Stardust, il est là. Il a soif.
Et le reste, en fait, elle m'a rajouté des lianes de Oya Sunrise. Je suis trop contente. Attends, ça fait toujours plaisir en fait d'avoir un cadeau supplémentaire. En guise de cache-pot, ça sera très bien pour éviter de mettre de l'eau partout. Je suis pas sûre que ça soit très bien en fait. Oui, j'ai changé d'idée. Ben en fait, En fait, j'ai des déchets dans... En fait, j'ai normalement... Oh, ça fait beaucoup d'en fait, hein. Normalement, j'utilise une petite assiette comme ça, mais là, j'ai mis plein de déchets de substrat, de machin dedans. Normalement, je m'en sers pour laisser mes plantes que j'arrose s'égoutter bien avant de les reposer, parce que je mets pas trop de cache-pot. C'est pas grave, je vais utiliser le support de chez Plants. Vous savez, l'emballage, là. Voilà, je vais poser ça dedans. Hop. Ah, et oui. Bah, tant qu'on y est, je vais m'essuyer les mains. Déjà. Et tant qu'on y est, je vais vous montrer... On va blablater un peu. Au début, je voulais planter ça dehors avec vous, mais je pense que je vais le faire sans filmer. Et je vous montrerai, si vous voulez, où je l'ai mis. Que je sais pas encore où je vais le mettre. C'était pas du tout prévu que je l'achète, mais franchement 2 euros. J'ai des boutons floraux. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous les avez vus, je les ai regardés et 3 d'un coup. Wouhou ! J'en ai sur des nouveaux sentants. J'en ai sur ma Polynora Brodjet. Je veux pas la bouger parce que, enfin, la Polynora. J'en ai déjà eu un et il a avorté. J'en ai un sur la Angelina. Je sais même plus comment s'appelle mon Ouya. Alors, bah ici j'ai mis la Stardust, ici j'ai mis la Compacta. Donc Compacta Mauna Loa, on a la Compacta classique. Ma Variegata ici. Regardez le Sunstress de la Quinquervenia, c'est absolument hallucinant, j'adore. En parlant de ça, ich. Allez, focus. Voilà, le petit départ ici. Le petit départ ici. On aime ça, on aime. J'ai mis mon Acuta sur un tuteur fait maison. C'est un tuteur en bois que j'ai coupé et que j'ai collé aux extrémités. Là, vous voyez, j'ai mis de la colle chaude. Et elle va jusque là, j'ai une feuille qui arrive ici, j'en ai une autre petite là, et j'ai celle-là qui est un petit peu mal formée, mais c'est pas très grave. Et j'ai plus de batterie, il va falloir que je charge. Donc c'est elle qui me fait un bouton floral. Ici, ah oh, trop bien, vous allez le voir. Je vais essayer de zoomer. Allez, focus. Focus. Je tremble en plus. Ah là. Je ne vais pas trop y toucher. Je pense que vous allez le voir. Bref. Normalement, il y a 7 fleurs dessus. Femensis qui ne me fait strictement rien. Donc je l'ai un peu décalée de la lumière parce qu'elle est jaune, mais je pense que c'est du sunstress. Les feuilles vont très bien. Il y a un des pieds qui est mort, mais en même temps avec leurs chips de coco là. Je vais peut-être enlever le zoom. Voilà. Le Synapsus Treby Moonlight. Je vais peut-être le mettre en pont. J'hésite à voir. J'ai fait une bouture à moi. De ma Polynora Brodjet qui ne m'en veut pas du tout puisque le... Alors attendez, bouton floral, je sais pas si on va le voir comme ça. On voit un petit peu là. Vous verriez dans la position dans laquelle je suis. J'en fais des choses pour vous quand même. Voilà, je tremble.
Ne m'en veuillez pas. Le voilà. On croise les doigts. J'ai plein de petites feuilles sur ma Cronjagna Black, Liv. Je suis très très contente. Mon Oyashuk, Sevechuk va très bien. Ma Flamingo Dream, non mais regardez-moi ça. Est-ce qu'on avait déjà vu des feuilles aussi belles et aussi rouges? Donc j'ai un départ, la tige, je ne sais pas pourquoi, elle va par là-bas. J'ai un autre départ ici. Et j'ai un autre... Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, j'ai des petites feuilles là-bas. Ah, attendez, on va faire comme ça. Voilà, ici. Et j'ai un autre départ là. Voilà. On va dire qu'elle se plaît très très bien. Par contre, elle me fait un sun stress. C'est trop bizarre. Elle a pris des coups de soleil, quoi, mais la feuille devient vert clair et il y a un petit trait qui la traverse. Ça se voit pas à la caméra. Mais en gros, l'ombre de la feuille du dessus est plus foncée sur la feuille du tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai mis la Sunrise ici parce que j'ai la lampe là et j'ai envie qu'elle me fasse son sun stress absolument incroyable. Et mon Obovata juste derrière. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça sans vous montrer le bazar qu'il y a dans la niche. Il faut que je l'enlève. Me fait des feuilles. Tout se passe bien. Hein. J'ai... Ah si, il y a eu un petit couac. Sur ma Crassi Petiolata qui me fait des feuilles magnifiques, hein, Crassi Petiolata Splash, la feuille continue de grandir d'ailleurs. Regardez-moi ça, ce splash, parce qu'avec la lumière on voit pas, mais voilà. Et bah elle m'a fait, il y a une feuille qui est tombée. J'ai vu ça ce matin. Elle grandissait plus. Du coup, il y a un nœud où j'ai qu'une feuille qui a arrêté de grandir d'ailleurs. J'ai un autre nœud où j'ai qu'une feuille. Et là, la tête, j'ai deux petites feuilles et la tête qui continue de pousser. Donc, tout va bien. Hein. J'ai un pédoncule sur... Donc, il y avait un pédoncule sur la bouture de Oyabella que m'a donné Nirvana. Qui a jauni et qui est tombé. C'est pas très grave. Elle m'en fait un autre là. Vu que c'est des boutures, est-ce que ça va aboutir? Je ne sais pas. Et regardez ma Mathilde, la taille des feuilles, et elle m'en refait deux autres. Donc ces deux feuilles-là, c'est celles qu'elle m'a fait à la maison. Incroyable la taille. Donc j'ai hâte de pouvoir les mettre ensemble. Ça ne saurait tarder. Qu'est-ce qu'on a au niveau des racines? Voyons voir ça. Je sais que j'en ai vu. C'était peut-être sur la Bella. Bon, elle en a, hein, de toute façon, sinon je ne l'aurais pas mis dans autant de substrat. Mais. Et puis elle a des pédoncules floraux absolument hallucinants, elle aussi. C'est peut-être sur la Bella que j'ai vu des racines apparaître. Oui, ici. Focus. Focus, focus. Allez. J'ai plus de batterie, on a dit. Là. Voilà. Tant qu'on y est, petit pédoncule. Je vais mettre là, pour que ça soit plus en hauteur. Voilà, parfait. Vous avez vu la taille? J'ai trop hâte. Trop hâte. J'espère que ça va tenir.
Il n'y a pas de raison, faut être optimiste. Enfin bon, en soi, tout le monde va bien. J'ai ma Dragon Scale qui m'a fait une feuille absolument hallucinante. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Normalement, c'est la Black Velvet. Et je l'ai également trouvée à 6€ chez Lidl cette semaine. 5,99€. Franchement, on va pas se priver, n'est-ce pas les gars? Je vous mettrai une photo de la mienne. Elle est à l'étage, j'ai pas trop envie de monter. Même par Aesthetica Splash, elle me fait des feuilles hallucinantes. Là aussi, celle que j'ai envoyée à Malvina, je suis dégoûtée, il y a plus de racines. Je dois creuser. Je pense que quelqu'un à la maison l'a arrosée sans que je sois au courant. Et la seule personne qui puisse faire ça, c'est ma fille. Bon, en attendant, je vous laisse sur ça. Moi, je vais aller planter la plante de dehors et je vous retrouve après. Je vais charger mon téléphone, je plante la plante, je reviens et je vous dis au revoir. Alors, l'éclairage est un peu pourri. Pas très grave. Donc j'ai planté ma plante d'extérieur, j'ai perdu le nom, j'ai plus le nom en tête. Bref, le truc qui ressemble à un arôme mais qui est pas blanc. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Celle-là, là. Donc celle que je viens de recevoir en cadeau. Elle ressemble vachement à celle-ci. Je voulais mettre l'une à côté de l'autre. Hein. J'ai eu la personne qui m'a vendu les plantes par message. Elle m'a dit en gros que celle-ci, c'était la Stardust. Comme celle-là. Alors que celle-ci, elle est beaucoup plus splash. Ok. Et elle ressemble énormément, la première là, à ma Carnosa. Mais du coup, elle m'a dit non, j'ai mis... Certes, elle a eu un petit peu soif, mais elle commence déjà à se réhydrater. Hein, donc, je suis pas inquiète. Mais du coup, elle ressemble énormément à celle que j'avais déjà. Et puis, les autres cadeaux, là, c'était bien de la Sunrise. Du coup, j'ai une potée incroyable. Donc, voilà, j'ai demandé à Ava, du coup, tu sais ce que c'est, toi? Et malheureusement, Je le savais déjà, hein, mais faut attendre de voir la floraison. Mais moi, j'attends déjà, même pour ne pas... Enfin, j'ai pas forcément envie d'avoir la floraison pour savoir quel Oya j'ai. Juste d'avoir la floraison, ça serait cool. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous savez ce que c'est, vous, comme Oya, mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, du coup, vous pouvez mettre Oya ou le nom du Oya en commentaire. Ça serait sympathique. Si c'est un Carnosa classique ou si c'est un Stardust. Si vous avez apprécié cette vidéo avec moi, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bye !